Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Me voici de retour pour la deuxième partie de ce week-end spécial Breakout Beast. Souvenez-vous, hier, j'ouvrais 4 œufs en découvrant ces 4 magnifiques dragons. Ravagor, Spitfire, Iceblaze et Frostsnarl qui étaient mon préféré dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on continue car nous avons encore 5 œufs Breakout Beast à ouvrir. Alors on est parti immédiatement avec le premier et toujours en croisant les doigts pour que je ne tombe pas sur un doublon. Alors attention, oulala, c'est chaud, je crois voir du bleu là, du slime bleu. Me dites pas que c'est Iceblaze. Non, c'est pas un doublon. Ouais, super cool. En fait, on le voit bien là, il y a des pièces violettes à l'intérieur. Et j'ai pas encore deux dragons violets. Et en fait, c'est juste le slime qui est pareil. C'est le fameux slime bleu transparent que je trouve extrêmement joli. Ah, il est toujours aussi collant et aussi merveilleux. Tiens, je vous avais posté une photo sur Instagram sur cette œuvre justement. Si vous n'êtes pas encore abonné à Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je poste très souvent des photos inédites. Alors, voyons voir ce que nous avons comme pièce pour ce dragon. Donc déjà, il sera majoritairement violet. Là, on a une des ailes. Ensuite, la tête. Où est la tête? Ah, je crois que je l'ai trouvée. Elle doit être... Tiens, ça doit être ça. Ah non, ce n'est pas la tête. Ok. Là non plus. Où es-tu? Ah, la voici. Et waouh, là, on a une tête qu'on n'a encore pas vue jusqu'à présent. Regardez, c'est une tête de loup. Ou même, je dirais même plus, j'ai l'impression que c'est une tête de loup-garou. En tout cas, ce dragon-là m'a l'air extrêmement féroce. Et on est parti pour l'assemblage. J'ai réussi enfin à séparer toutes les pièces de ce slime hyper collant. Allez, on le range dans sa coquille. C'est parti. On y va. Alors là, je détecte quelques pièces que j'ai déjà vues tout à l'heure, notamment la queue de griffon et les fameuses pattes avant avec les poings fermés, qu'on avait déjà vues sur Ravagor d'ailleurs. Je suis certain que ça va être un super dragon avec plein de détails. D'ailleurs, les armures sur le côté, sur ses épaules, regardez, c'est une tête de loup. C'est ce que je prenais tout à l'heure pour la tête du dragon justement. Et le clou du spectacle, le détail qui tue. L'accessoire que personne d'autre n'a jusqu'à présent, une chaîne enroulée autour de son cou. Waouh, c'est bien ce que je pensais, il est juste exceptionnel celui-ci. C'est pas le plus grand, mais en tout cas, il est super féroce avec cette tête de loup-garou et ses crocs acérés. Ouais, j'aime beaucoup, hein. Ah, vraiment, j'aime beaucoup. Ce dragon est extrêmement affamé et en attendant qu'il trouve une proie, cette créature féroce se nourrit du slime qui était contenu dans son œuf. C'est ce slime-là qui lui donne toute son énergie. Alors, voyons maintenant comment s'appelle ce terrible dragon violet de toute beauté. Il s'agit de Fyrceor ou Fyrcor. Je sais pas comment ça se prononce. Et on est parti pour l'œuf suivant. Alors, je crois connaître ce slime. C'est le fameux slime métallique que vous avez vu dans la toute première vidéo de Breakout Beasts. Des plumes beige et brunes. Ah là là, je crois malheureusement que cette fois-ci, c'est le premier doublon en 2 vidéos. Je crois que c'est le Griffon. Griforce, on vérifie. Eh ouais, c'est bien Griforce. Ok, donc un Breakout Beast que j'ai déjà. Je vais donc pas l'ouvrir et le remettre dans son œuf. Et au passage, le slime métallique, c'est la couleur que je préfère. Bon, troisième œuf. J'espère que là, on n'aura pas de doublons. Des pièces vertes. Il y a peut-être un risque. Aïe, aïe, aïe. Attendez voir. Voyons ça d'un peu plus près. Ah non, waouh, non.
Ce sont des pièces fluo et noires. Oh la vache! Alors celui-ci, à mon avis, il promet d'être exceptionnel. Oh là là là, ouais. Très belle combinaison de couleurs. Là aussi, hein, les amis, on retrouve des pièces qu'on a déjà vues tout à l'heure. Les pattes avant, justement, de Fyrseor, ainsi que de Ravagor. Elles sont juste d'une autre couleur, noire et fluo. Trop belles. Qu'est-ce qu'on a également comme pièce? Ah oui, on retrouve les ailes glacées de Frostsnarl. Sauf qu'ici, elles sont d'un magnifique vert jaune fluo. Bon allez, je vais continuer mon dépatouillage et... Ah! Encore une tête de loup-garou, dis donc! Et cette fois-ci, elle est plutôt grise. Et peut-être de la même famille que notre ami Fyrseor, qui sait. Allez, on est parti pour l'assemblage. Et voilà encore un dragon qui s'annonce être exceptionnel. Du lourd, les amis, du lourd. Comme vous le voyez, il n'a pas d'ailes, donc ce n'est pas un dragon qui vole. Il s'agit de Brimer. Je dirais plutôt que c'est un gros loup-garou de compétition. Et à mon avis, les amis, je crois qu'on tient là mon breakout beast préféré de la vidéo. Et peut-être même de toute la collection. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je le trouve sublimissime. J'adore. Il est superbe. On verra, on va quand même enchaîner et ouvrir tous les œufs avant de se décider. Et justement, on est là sur notre quatrième. Et là, ah, du slime orange. Ça serait pas Spitfire, ça, par hasard? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 je crains le pire. Vérifions. En tout cas, le slime est exactement de la même couleur. Couleur lave. Maintenant, il faut voir au niveau des pièces. Et non, ce n'est pas Spitfire. Cool, encore un Breakout Beast inédit. Excellent. Nous retrouvons ici des ailes. Je crois que c'est les mêmes ailes que sur Griforce, sauf qu'elles sont marron ici. Donc ça va être un cousin du Griffon. On va essayer de retrouver sa tête pour voir. Ah, et en effet, c'est la même tête que Griforce, mais simplement d'une autre couleur. Et ce slime, les copains, le slime orange, moi ça me fait penser à de la marmelade ou de la confiture. Ça me donne faim d'ailleurs, tiens. Allez, on y va, on assemble ce Breakout Beast. Alors, le voici, c'est le deuxième de la collection à se tenir debout avec son cousin Ice Blaze. Il est plutôt pas mal, ce Breakout Beast. Par contre, eh ben, ça va pas être mon préféré, malheureusement. Il est sympa, mais quand même. Il y en a d'autres que je préfère très très largement. Son petit nom, c'est Repulsoar. Alors amis, faisons nos comptes, nous avons déjà découvert 8 Breakout Beasts sur les 9 de toute la collection, pas de doublons, donc eh bien, je sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour ça que cet œuf là je ne vais pas l'ouvrir, il s'agit naturellement du tout dernier qu'on n'a pas encore eu dans la collection, à savoir le dragon gris Clobberclaw que j'avais eu dans la toute première vidéo Breakout Beast du mois dernier. Et voici l'intégralité de la collection, les amis. Tous les 9 dragons de la série 2 Breakout Beasts enfin réunis. Nous avons Clobberclaw, Frostsnarl qui était mon dragon préféré de la vidéo d'hier. Ensuite Ice Blaze qui était vraiment aussi exceptionnel. Repulsoar que je viens d'ouvrir. Griforce, son cousin. Le superbe Ravagor, suivi de Spitfire, le cracheur de lave. Le magnifique et très très fluo Brimer.
Grimmer qui n'est pas vraiment un dragon, je pense. Et enfin, le 9e et dernier de la collection, Fyrseor, le dragon loup-garou avec sa superbe chaîne autour du cou. Eh bien les copains, c'était vraiment une super collection. Cette série 2 est magnifique. Vous vous devez tous les avoir, ce sont vraiment des très beaux spécimens. Et maintenant, mon préféré de la vidéo et de toute la série, eh bien c'est celui-ci, Brimmer. Le noir et le fluo lui vont juste à merveille. C'est mon gros coup de cœur de la série 2. Et je suis certain que vous aussi, vous allez l'adorer celui-ci. Et avant de se quitter, je vais en profiter pour faire un petit coucou à un fan de la chaîne. Il a 6 ans, et oui, je parle de toi, Nolan. J'espère que toi aussi, tu as aimé les dragons de Breakout Beast. Merci pour ta fidélité, je te fais de gros bisous. Et maintenant les copains, à vous de jouer, laissez-moi plein de commentaires et de pouces bleus. J'espère que ce week-end spécial Breakout Beast vous a plu. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Hero et Compagnie. Bye bye, ciao!